très heureux. Après avoir autant subi pendant 30 ou 35 minutes, on a su faire ce qu'il fallait, notamment en fin de première mi-temps. Et après, sur la deuxième mi-temps, pour gagner ce match. Il était très important pour nous de repartir avec quelque chose d'ici, pour aussi confirmer le match et la belle victoire de Nice. Donc aujourd'hui, venir gagner ici, c'est très important pour nous. Et ça nous permet de pouvoir jouer maintenant Rennes et Lens avec d'autres perspectives. Donc il n'y a rien de fait, mais ça nous permet de valider aussi le travail que font les joueurs à l'entraînement. Ça a été un petit peu compliqué, je crois que le changement de tactique de jouer en 4-4-2, de mettre des joueurs dans le dos des milieux, ça nous a fait reculer, les trois centraux ne sortaient pas à bon escient, donc à la mi-temps il a fallu recadrer pas mal de choses pour essayer de faire comprendre qu'il fallait défendre en avançant, aller les chercher. Voilà, on a recadré beaucoup de choses et ça nous a permis malgré tout de faire une très bonne deuxième mi-temps parce que j'ai trouvé que après on a eu quand même la possession du ballon, on a peut-être pas fait que des bons choix, mais on a vraiment vu après le 3 qu'on voit depuis quelques temps. Et c'est difficile, surtout dans ce championnat, de pouvoir enchaîner et d'enchaîner ici. Après le match de Nice, j'avais demandé en causerie que l'on confirme, et ça c'est important, il fallait confirmer la victoire, il fallait qu'on comprenne que maintenant il faut qu'on puisse enchaîner, qu'il ne faut pas manquer d'exigence, il faut continuer à aller vers l'avant, faut montrer qu'on n'est pas les faire-valoir de ce championnat et qu'on a notre part du gâteau comme tout le monde à avoir. Moi ce que je veux, c'est surtout qu'on avance dans ce championnat et qu'on prenne des points et que les supporters, que le club et toutes les personnes qui travaillent dans ce club soient heureux de nous voir jouer et de gagner des matchs, bien sûr. Je suis vraiment content ce soir. Maintenant, on sait que ce n'est que le début du championnat. C'est un nouveau cycle, parce qu'on a fini un cycle de 10 matchs, on part sur un cycle de 10 matchs, et le nouveau cycle, il faut faire plus de points que l'on a fait sur le premier, tout simplement. Donc maintenant, il faut qu'on aille de l'avant et qu'on essaye maintenant de battre deux gros du championnat, qui seront Rennes et Lens.